une nouvelle vidéo, donc on va voir ensemble comment faire les côtes de cheval. Donc pour le premier rang, on va tricoter 3 mailles à l'endroit. On prend la maille, la quatrième maille, comme si on allait la tricoter à l'envers. On la passe seulement, donc une maille glissée à l'envers. On retricote 3 mailles à l'endroit. Une maille glissée à l'envers. On prend la maille. On fait ça tout au long du rang. 3 mailles à l'endroit, une maille glissée. Donc au deuxième rang, on va tricoter tout le rang à l'envers. Et on répète toujours ces deux rangs.